Salut les amis, c'est Pierre D, on est de retour dans Minecraft pour un nouveau tuto sur les pixel art. Et oui, c'est le retour des pixel art. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer, je vais vous montrer comment faire le pixel art de Daffy Duck des cartoons. Donc après Bugs Bunny, aujourd'hui c'est Daffy Duck. Allez, c'est parti, on y va, en route les amis. Donc les amis, pour faire ce pixel art, il vous faudra de l'argile durcie orange, des blocs de charbon et des blocs de quartz. Alors, on commence directement avec, on place un bloc de charbon à une bonne hauteur, à une bonne distance des autres pixels art que vous avez déjà réalisé ou à l'endroit que vous voulez faire ce pixel art. Et on commence avec une ligne de 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. De là, ici, on va se décaler. Ici, donc de 1 par rapport à la ligne du dessous, même chose de ce côté-ci, donc à gauche et à droite. On trace une ligne entre eux, donc en tout ça fera une ligne de 10. Donc on enlève un de chaque côté, donc on enlève 2, 12 moins 2 égale 10. Voilà, ensuite vous venez ici, vous comptez 1, 2 au troisième, vous mettez un bloc et vous montez une colonne de 3, comme ceci. De là, on vient de l'autre côté, vous comptez aussi 1, 2, au troisième, vous mettez un bloc. Et là, vous allez monter une colonne de 4 blocs. Donc, 1, 2, 3 et 4. Comme ceci. Je ne dis pas de bêtises. Ah non, je me suis trompé, pardon. Hop, 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 hop. Donc, vous comptez 1, 2, vous mettez un bloc, vous faites une ligne de 2 et puis c'est ici. Monter une colonne de 4. 2, 3 et 4. Voilà. On prend maintenant les blocs de quartz. Et ici, vous faites un carré de 2 sur 2 avec des blocs de quartz, comme ceci. Au-dessus, on reprend les blocs de charbon. On fait une ligne qui joint le tout. Vous voyez, pas compliqué. De là, vous partez de ce bloc. Vous faites une ligne de 4, comme ceci. Donc, en gros, on dépasse de 1 par rapport au bloc qu'on a précédemment mis ici. Et là, vous venez rajouter hop, un petit bloc pour monter la colonne là sur la droite. De là, on va se décaler comme ceci. On monte avec une colonne de 2. On se redécale, encore une fois, donc toujours vers la droite. Et vous montez une colonne de 4. 1, 2, 3 et 4. Vous prenez le deuxième bloc en partant du bas. Vous rajoutez un petit bloc ici comme ceci afin d'obtenir cette forme. De là, de ce bloc-ci, on va se décaler vers le haut et vers la droite encore une fois. Et vous faites une ligne de 2. Il suffit d'un petit décalage de 1. Et on enchaîne avec un décalage avec une colonne de 4 blocs. Donc 1, 2, 3 et 4. On repart maintenant de l'autre côté. Vous venez avec ce bloc-ci, vous décalez 1 vers le bas et 1 vers le haut. Comme ceci. Et là, vous allez tirer deux lignes de 6 blocs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Même chose sur l'autre au-dessus. Voilà. Et vous placez un bloc entre les deux, comme ceci. Tout l'intérieur ici, vous le remplissez avec de l'argile durcie orange. On reprend donc maintenant, vous placez un bloc d'argile durcie orange ici, juste au-dessus du bloc de charbon. Puis on reprend le charbon, vous venez placer un bloc juste ici, vous montez un juste au-dessus, de là vous tirez une ligne en partant vers la droite jusqu'à laisser 3 blocs d'écart sur la ligne du dessous. De l'autre côté, vous partez avec une ligne de 4, donc 1, 2, 3 et 4. De là on se décale hop, avec un petit bloc, et ensuite vous vous décalez mais vers la droite, en faisant une ligne de 2. On continue à se décaler vers le haut, vers la droite. Là, vous faites une ligne de 3, comme ceci. Et à côté de cette ligne de 3, vous allez faire un bloc de 2 sur 2 avec des charbons. Donc 1, 2, 3, 4, voilà. Donc un bloc comme ceci. On se décale vers la gauche. On monte une colonne de 2. De là, on va se décaler, comme ceci, vers la droite, une fois.
comme ça, voilà. On se décale encore une deuxième fois. Et puis vous venez vous décaler avec une ligne de 2. Comme ceci. Vous pouvez maintenant, en partant d'ici, jusque vers le bas et tout ce qui est à gauche, remplir avec de l'argile durcie orange. Une fois que vous avez fait ceci, vous reprenez vos blocs de charbon. Vous venez ici, au-dessus de ce coin, donc là où on avait fait notre carré, vous cassez le bloc et vous cassez une ligne de 3 au-dessus, afin de faire cette forme avec les blocs de charbon. Maintenant, vous venez ici, placez un bloc juste ici, puis vous montez au-dessus, enfin donc une colonne de 2. Ici, sur le bloc du milieu, vous montez une colonne de 2, ce qui fera donc une colonne de 3 au total. Faites la même chose à côté et puis là vous augmentez cette colonne de 3. Donc 1, 2 et 3 blocs. Maintenant on revient sur le côté droit. Ici on se décale. On remonte. On va bien sûr partir vers la gauche avec une ligne de 2. Vous mettez ensuite une colonne de 2 juste à côté. Donc afin d'obtenir cette forme. Et à côté de celle-ci, vous montez une colonne de 3. De cette manière. Pour la colonne suivante, vous venez ici, vous descendez de 1 vers le bas. Et là, les trois qui sont blocs, les trois blocs qui séparent, vous mettez de l'argile durcie orange. Sauf au milieu où vous rajoutez un bloc de charbon. Avec ce bloc de charbon, nous allons faire une ligne de 4 comme ceci. Voilà. Et un petit bloc de charbon ici. Tout le reste, vous le remplissez avec de l'argile durcie orange. On reprend maintenant nos blocs de charbon. Vous venez ici à côté de ce bloc de charbon. Donc là, ici, vous mettez une petite colonne de 2, comme ceci. On va se décaler vers le bas, vers la gauche, avec un petit bloc. Et on continue avec un décalage avec une ligne de 2, comme ceci. On remonte maintenant. Hop, un petit décalage de 1 vers le haut. Vous venez placer un bloc d'argile durcie orange. Ensuite, une ligne de 2 blocs de charbon afin de joindre le tout. Ici, on se décale comme ceci avec un petit bloc de charbon. Là, vous prenez l'argile durcie orange. Vous venez placer ici, juste ici en dessous du bloc de charbon. Et en dessous duquel, vous placez un bloc de charbon comme ceci. On revient maintenant à ce fameux carré que nous avons fait tantôt. Et ici, vous allez mettre, cassant ces deux blocs, une ligne de 3 blocs de charbon, comme ceci. Il ne vous reste plus maintenant qu'à remplir tout cet espace avec de l'argile durcie orange. On enchaîne maintenant. Vous voyez le bloc ici d'argile durcie. Au-dessus, vous venez mettre une colonne de 3 blocs de charbon, comme ceci. Ensuite, vous rajoutez une colonne de 2 à laquelle vous venez mettre deux autres colonnes de chaque côté, afin de faire un bloc de 3 sur 2, de cette manière. On remonte ensuite avec une colonne de 4 blocs, donc 1, 2, 3 et 4. Et ici à côté, vous venez rajouter un petit bloc, comme ceci. Maintenant, on passe à cette ligne, à cette colonne ici. Vous venez mettre un bloc ici, juste à côté, tout en bas. Et vous rajoutez 3 colonnes, 3 blocs au-dessus. Donc 1, 2 et 3. Ce qui fait donc une colonne de 4 en tout. Et ici, vous venez rajouter un bloc avec un autre au-dessus afin de faire une colonne de 2. Et tout l'intérieur ici, vous le remplissez avec des blocs de quartz. On revient maintenant ici au-dessus. Vous montez une colonne de 3 blocs, comme ceci. Au-dessus duquel, vous venez faire une ligne de 2 de ce sens. Ensuite, sur le côté, avec ce bloc, vous montez une colonne qui dépassera de 1, comme ceci, la ligne que nous venons de faire précédemment. À celle-là, vous rajoutez encore un bloc et vous mettez un petit sur le côté. Donc, on va faire encore une fois une ligne de 2. Au-dessus de ce bloc-ci, vous mettez un bloc et vous refaites une nouvelle ligne de 2. Maintenant, on redescend, on revient ici. Vous prenez le deuxième bloc en partant du bas. Non, pardon, le troisième, voilà. Vous rajoutez un bloc. Donc, vous laissez une colonne de 2 ici.
Voilà, vous venez faire une colonne de 2 juste à côté de ce bloc. Ensuite, vous faites une colonne de 3. 1, 2 et 3. Donc toujours en descendant comme ceci. Maintenant, on rajoute une autre colonne à côté. Et là, vous descendez de 2 blocs par rapport à la colonne précédente. Donc ça ne nous reste plus qu'un petit truc d'écart. Ce qui veut dire qu'on revient maintenant ici, vous montez une colonne, comme ceci, donc dès que vous touchez ici, enfin à partir de celui-là, vous montez une colonne de 4, donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Et il vous reste donc 2 blocs, comme ceci, au-dessus, et tout l'intérieur là est rempli, les amis, de blocs de quartz. Pour conclure, les amis, vous venez ici, vous laissez un bloc d'écart, vous montez une colonne de 2, à là-dessus duquel vous rajoutez une ligne de 2 comme ceci en partant vers la droite. Et ici au-dessus, vous rajoutez encore une ligne de 2. Il ne vous reste plus maintenant qu'à ici remplir tout cet espace avec des blocs de charbon. Vous laissez ici un espace. Vous prenez celui qui est au milieu tout simplement. Vous montez une colonne de 2 comme ceci. Et là, vous rajoutez un petit bloc. Et voilà les amis, le pixel art de Daffy Duck. Terminé. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous montrer comment faire ces pixel art. Voilà, c'était le retour de TRD dans les pixel art de Minecraft. Et je vous dis à bientôt, les amis. Donc, si vous ne voulez pas, les petits pouces bleus, les partages, les j'aime, les... Voilà, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace. Portez-vous bien. Bisous à tous.